L'ANACT est une agence qui contribue à l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur deux déterminants, l'organisation du travail et les relations professionnelles. La plateforme Santé Travail Fonction Publique, qui est aujourd'hui inaugurée, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat noué il y a maintenant plus de 5 ans entre la MGEN et l'ANACT. Aux yeux de l'ANACT, les organismes de protection sociale complémentaires sont en effet des acteurs majeurs pour pouvoir démultiplier efficacement des messages de prévention, notamment auprès de leurs adhérents. Dans le cadre d'un tel partenariat, l'ANACT apporte son expertise, ses méthodes et outils en matière d'amélioration des conditions de travail et de promotion de démarches de qualité de vie au travail. Nous bénéficions en retour de la capacité de la MGEN à décrypter les enjeux et spécificités de la fonction publique et à structurer des actions de sensibilisation d'envergure. Le principe dit d'adaptabilité ou de mutabilité, qui est un principe majeur dans la fonction publique, impose de longue date au service public de s'adapter régulièrement aux besoins des usagers et de prendre en compte les évolutions techniques. Aujourd'hui, ce principe trouve pleinement à s'appliquer dans un contexte qui est fortement marqué par la volonté de maîtriser les dépenses publiques et par les opportunités liées à la transformation numérique. En conséquence, le défi actuel, c'est bien d'accompagner les profondes transformations que vit la fonction publique en cherchant à concilier deux fronts, qualité du service rendu et conditions de travail de qualité. La qualité de vie au travail est une démarche ambitieuse qui ne s'improvise pas. Elle nécessite de pouvoir s'appuyer sur d'excellentes relations sociales et professionnelles, ce qui rend bien entendu nécessaire l'implication des partenaires sociaux. C'est une des clés pour pouvoir trouver, à travers la pratique et l'expérimentation, des réponses pragmatiques et adaptées à ces transformations. Le réseau ANACT ARACT mène chaque année plus d'une centaine d'interventions dans les différents versants de la fonction publique. C'est un engagement important au regard de nos moyens. Il serait à lui seul insuffisant si nous n'engagions pas en parallèle des actions qui nous permettent de rendre directement accessible à ceux qui en ont besoin le fruit de toutes ces expériences et accompagnements. Ce site web permet aux DRH et acteurs de la prévention de se nourrir de retours d'expériences concrets en matière de prévention des RPS. C'est l'embryon d'une communauté qui pourra à terme échanger plus directement. Cette plateforme a pour ambition de leur proposer des ressources éprouvées et adaptées au contexte de la fonction publique. L'architecture de la plateforme est donc centrée sur le besoin des utilisateurs que nous avons préalablement interrogés avant de nous lancer dans sa conception. Nous le savons, dépasser la phase du diagnostic est une étape complexe. Souhaitons que ce site web puisse progressivement devenir un outil efficace pour l'action.